le monde, ce coup-ci, vous l'avez compris, c'est une compile spéciale des jeux Looney Tunes, c'est bon sang qu'il y en a une chier. Je sais pas qui a fait le plus de jeux à l'époque, hein. Est-ce que c'est Disney avec ses adaptations de films et ses jeux Mickey et Donald, ou est-ce que c'est Warner? Regardez ça, il y en a vraiment pour tout le monde, hein. Il y a Bugs Bunny, Daffy Duck, Titi et Grosminet, Taz, Speedy Gonzales, Bip Bip, même Porky a eu son propre jeu. Le seul qui a pas eu son jeu, c'est Pépé le Putois, pourtant, moi j'imagine sans problème ce qu'un jeu Pépé le Putois pourrait donner, hein. Allez, viens, ma pupette, je vais t'attraper. Pourquoi y a pas d'image, là? Parce que c'est une émission tout public, espèce de grand dégueulasse. Et dans tout ce tas de plastique, il y a vraiment eu des super jeux, hein. Moi par exemple, j'avais adoré le jeu Titi et Grosminet, même si bon, il était pas génial et que le Titi en Mr. Hyde me faisait grave flipper. Il y avait les dizaines de jeux Bugs Bunny, et puis il y avait aussi les super jeux Tiny Toons, moi je me régalais à y jouer avec des potes. Mais évidemment, c'est pas ça que vous voulez voir, vous, hein. Alors des jeux de merde Looney Tunes, il y en a eu plein, ne vous inquiétez pas, il y a eu des jeux avec un gameplay de merde, il y a eu des jeux juste impossibles, et il y a eu des jeux juste impossibles avec un gameplay de merde. Et je vais commencer par Roadrunner Death Valley Rally, qu'on connaît nous en France sous le nom de Roadrunner Looney Tunes sur Super NES. Alors, moi, ce jeu, je l'avais pas. Hein. J'avais un jeu Bip Bip, mais c'était un jeu sur Mega Drive. Donc, du coup, celui-là, j'ai dû le commander sur eBay pour ce test. Je me souviens de la première fois, cette frustration, cette difficulté. J'essayais plein de techniques, mais rien ne marchait. Et encore, là, c'était que pour ouvrir le colis. Après, j'ai joué au jeu et c'était pire. Hein. Heureusement que je suis un grand fan des dessins animés de Bip Bip. Ah putain, s'il y a bien un dessin animé Looney Tunes qui n'a absolument pas vieilli, franchement, c'est vraiment Bip Bip. Hein. Je veux dire, l'humour est simple, mais il n'y a rien à faire, ça marche à chaque fois. Alors au niveau jeux vidéo, il y a eu d'excellents jeux sur Bip Bip, notamment sur Mega Drive avec le Super Desert Demolition, et il y a eu cette version Super NES. Demandons son avis à quelqu'un qui y a joué. Alors graphiquement, le jeu est très bon et respecte bien l'esprit du dessin animé. Niveau son, bon, ça va. Niveau musique, c'est potable. Mais bon, c'est bien beau tout ça, mais si ça suffisait à faire un bon jeu, alors la Mega CD serait la meilleure console du monde. Hein. Vous savez, quand vous achetez un jeu Bip Bip, je suppose que la plupart des gens s'attendent logiquement à un jeu qui va vite. Hein. Je veux dire, tout ce qui fait Roadrunner dans les dessins animés, c'est de courir à 200 km/h dans un désert, et on s'attend à un jeu qui ressemble à un Sonic. Et ici, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez aller très très vite, sauf que le problème, c'est que aller vite égale mourir dans ce jeu. Non mais je veux dire, waouh, trop bien, un jeu qui va plus vite qu'un Sonic, c'est super. J'ai plus qu'à me faire greffer des yeux de ninja pour pouvoir y jouer. Sérieusement, c'est cool de pouvoir aller aussi vite, mais du coup tu ne peux plus rien éviter, tu te manges absolument 100% des pièges sur le chemin parce que tu n'as pas le temps de réagir. Enfin, je veux dire, comprenez-moi bien, regardez le détail de cette scène. J'ai utilisé mon logiciel de montage pour calculer. À vitesse normale, sans le boost, hein, sans l'accélérateur, entre le moment où l'objet apparaît sur le bord droit de l'écran et le moment où je me le prends dans la tronche, il s'écoule 0,3 secondes. C'est simplement plus rapide que le temps de réaction d'un humain normal. Interrogez ce médecin. Eh bien, en fait, il vous dira que j'ai raison. Donc bref, la conséquence de ça, ben à moins de connaître par cœur le jeu et de savoir exactement où sont les obstacles, dans ce jeu, tu ne dois pas aller vite, tu ne dois pas courir, vous allez tout juste trottiner tout simplement, si c'est pas limite marcher pendant tout le niveau. Sérieusement, un jeu Bip Bip où il faut pas aller vite sinon tu crèves, mais c'est complètement con, c'est exactement comme si tu faisais, je sais pas, un jeu Mario où si tu sautes tu meurs. Mamma mia, mi sono impattato la jambe! Mamma mia, Mario, tu es tombé! Tiens, prends ce champignon! Mais je veux pas de champignon, espèce de trou du cul, mi sono impattato la jambe! Va me chercher un médecin! Ça sera original, ça, tiens! D'ailleurs, à propos de Mario, ce jeu est beaucoup plus proche d'un Mario que tu jouerais en vitesse ultra accélérée que d'un Sonic. Hein. Un Sonic, à peu près n'importe quel idiot le finit sans difficulté. Mais ce jeu, ça n'est pas un jeu de vitesse, c'est purement un jeu de plateforme où il faut être hyper précis. Et comment veux-tu être hyper précis avec un personnage qui va 10 fois trop vite et qui fait des bonds 10 fois trop longs? Le moindre truc un peu délicat, ça devient une horreur. Franchement, je me suis jamais autant retrouvé comme ça dans un jeu à galérer sur des sauts, pourtant qui sont simples et tout pourris, quoi. T'es là, tout ce que je dois faire ici, c'est de monter en haut, mais y a rien à faire, j'y arrive pas. En accélérant, bouge-toi la nouille. Oh, c'est pas vrai, quoi, la gestion des sauts, je te jure, allez, 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 petit, allez, pour la France, allez, tu vas l'avoir, allez, saute, ah, tu sers à rien, Pépito. Évidemment, on n'oublie pas les fondamentaux, hein, à savoir que si t'as une ligne droite de plus de 3 mètres, c'est qu'il y a un piège. Toujours. Je me suis bien marré aussi sur les sauts de l'ange, ça c'était bien cool, trop loin.
Oui. Ah non, putain. Ah, le mur. Allez, oui. Non. Oui. Non. Oh. Ah. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Quoi, tout ça pour un bonus de merde? Et en plus, je crève. Oh. D'ailleurs aussi, hein, en plus des trucs de merde habituels, genre les sauts de l'ange, les checkpoints qui te ramènent plus loin en arrière, ce jeu a en fait développé le concept du plateforme labyrinthe. Hein. Regardez-moi ce niveau, c'est l'anarchie absolue. Parce que attention, hein, les jeux de plateforme où tu vas bêtement de gauche à droite, c'est pour les tapettes. Hein. Dans Bip Bip, un niveau, ça ressemble à ça. Seb, musique. Musique dynamique, merde. Bon, je passe volontairement sur le scénario du jeu qui te fait passer en l'espace de 4 niveaux, du désert à une usine, à une grotte, à un vaisseau extraterrestre, j'ai même pas envie de savoir ce qu'on fout là, concentrons-nous sur le niveau. Dans ce niveau, donc, tu dois passer de portail en portail pour avancer, et comme si c'était pas assez chiant comme ça, les portails te font bouger dans tous les sens. Regardez-moi ce foutoir, ça monte, ça descend, ça va à gauche, ça va à droite. Tu prends le portail 4 qui t'amène au portail 7, puis au 9, le 9 t'amène au 11, puis au 13, puis au 12 qui te ramène au 9. Sérieux, c'est la maison des fous! Comment est-ce que vous voulez que je sache où est la fin de ce niveau de merde quand j'arrête pas de bouger de haut en bas et de gauche à droite? J'ai tellement bougé dans tous les sens que je sais même pas si je suis proche du début ou de la fin, là! En plus, pour pas t'aider, il y a sans arrêt les martiens à la con qui te foncent dessus sans prévenir, là! Sérieux, comment vous voulez que j'esquive ça? Ils font la taille de l'écran, merde! Sérieux! Ah, mes fesses! Non, votre vaisseau spatial de merde, on dirait un tas d'échafaudages là, vous avez rien de mieux à branler qu'à faire du surf en poursuivant une autruche. Putain, le sous-titre du jeu, ça devrait être beaucoup de souffrance pour un peu de plaisir, parce que ce jeu, c'est pas différent d'une séance de bondage. En plus, moi je le fais avec le chi des 75 vies, hein, mais normalement, faudrait tout faire en moins de 3 vies. Pas de sauvegarde, pas de continu, pas de mot de passe. Putain, plutôt me rouler à poil dans des orties. Crève, 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 crève. Ça va, c'est bon, on a tous des moments de faiblesse, hein, ça nous arrive, donc... On va passer au jeu suivant, Tasmania sur Mega Drive. Et si tu ranges pas cette flûte, je te jure que je te l'enfonce dans le cul. Tasmania sorti en 92 sur Mega Drive, la même année que Bip Bip sur Super NES. Alors déjà, j'ai envie de vous parler de Taz un peu, hein, qui est pas vraiment un des personnages les plus connus de Warner. Hein. À la base, Taz, pour ceux qui connaissent pas, c'est surtout un des méchants de l'univers de Bugs Bunny. Le jeu vidéo Tasmania, lui, il est adapté de la série Tasmania qui est sortie entre 91 et 93. Oh, what seems to be the problem? ça vous fait rire, hein? Vous avez pas honte? Sérieusement, vous avez jamais remarqué quelque chose qui vous a choqué dans cette série? La famille de Taz parle parfaitement bien. Ses parents, sa sœur, son frère, ils portent même des vêtements. Et regardez Taz. Regardez-le. C'est le seul à être à poil en permanence. Et à ne pas savoir parler. Oui, Taz est mentalement handicapé. Alors, ne vous moquez plus de lui. Il est marrant ce con. Hein. Donc, le scénario est basique. Hein. Papa Taz vous raconte la légende qu'il existe un œuf bien plus grand que mon cul quelque part dans les montagnes. Et donc, vous partez le chercher et votre famille n'en a absolument rien à branler. Taz va probablement crever. Bon, de toute façon, je m'en fous. En fait, ça me saoulait de le voir se promener à poil à la maison. Le jeu, quant à lui, c'est un jeu de plateforme bien classique et bien pupute. Alors, on va essayer quand même de le hiérarchiser sur l'échelle internationale de la puputerie. C'est bon, vous avez tenu. Alors pour commencer, au niveau des plateformes, dans le niveau 1, vous avez des espèces de jets d'eau. Et évidemment, là, l'équipe de développement de ce jeu s'est dit « Hey, et si on faisait l'inverse des règles établies dans les jeux vidéo développés depuis ces 20 dernières années ?» Dans la plupart des jeux, quand vous êtes devant exactement la même situation, sauter dans ce jet d'eau vous propulse vers le haut. Ici, non. Ici, vous prenez des dégâts. Bon, c'est pas grand-chose, c'est un petit défaut, mais ça sera notre valeur étalon à 1 sur l'échelle de la puputerie. Tomber en dessous et mourir alors que visiblement il y a de la terre et il y a une plateforme en dessous, niveau 2 sur l'échelle, bon on est en bas. T'as d'ailleurs une autre idée qui sent le pâté dans ce jeu, c'est que chaque mouvement, chaque action, chaque ennemi a son propre effet sonore. Alors quand c'est bien fait, comme dans Desert Demolition, c'est cool. Quand c'est mal fait, c'est complètement saoulant. Quand Taz saute, on dirait que ça fait un bruit de chat qui s'énerve ou j'en sais rien, quand il touche le sol, ça fait un bruit de klaxon. En plus, évidemment, c'est bien quand t'essayes de te concentrer sur les plateformes, hein, tu sais.
Et pour les ennemis, c'est encore pire. Les crabes font un bruit de sonnerie de téléphone portable. Et surtout, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi cet ennemi, quand il marche, a le même effet sonore que deux hippies qui jouent du djembé? Voilà, donc ça c'était les sons séparés. Maintenant, comme dans le jeu, les sons tous ensemble maintenant. Donc passons au niveau 2 et maintenant, comme pour le plan Vigipirate, on va passer l'échelle d'alerte de puputerie au niveau rouge. Parce que évidemment, Taz ne peut pas s'empêcher de manger tout ce qui lui passe sous la main, même quand c'est une bombe et que ça le tue. Et donc là, bien sûr, les développeurs se sont gavés en en mettant partout. Ok, donc là je... Quoi ? Derrière le pilier ? C'est une blague ? Putain ! Oh ! Ah, je te jure quoi. Mais pile dessus ! On est pile dessus, mesdames et messieurs ! Pantoufle ! C'est le premier mot qui me vient à l'esprit pour pas être vulgaire. Allez, sors de là ! Putain, y'a pas une loi contre ça ? Mais oui, tiens, bah voilà, là maintenant on t'en met deux ! Comme ça, si tu rates la première, tu prends la seconde ! Putain, c'est de la cruauté gratuite, ça ! Putain, mais là, les mecs, ils ont dû se dire « Allez, les développeurs, on va faire un jeu pour se venger des connards qui achètent nos produits ! Qui est avec moi ?» Là, vous voyez, sur l'échelle, on est déjà au niveau 6, mais on peut monter plus haut. Dans le niveau 4, on a les leviers piégés. Tu dois tirer sur des leviers pendant tout le niveau pour couper le courant, ça marche bien, et subitement, à la fin, sans prévenir, t'as certains leviers qui deviennent des pièges et qui te tuent. C'est gratuit. Ensuite, on a les niveaux sur de la glace. Alors ça, là, il y a toujours un niveau sur de la glace dans ce jeu qui te fait chier. C'est toujours. Ça fond dans la bouche. Il y a aussi les niveaux avec les sauts de l'ange, bien sûr. Il y a les niveaux type Frogger où les mecs se sont dit « Hey, et si on faisait un niveau en 3D avec des sprites en 2D ?» Un grand moment de jouissance dans ces niveaux-là. Parce qu'il y en a plusieurs en plus, bien sûr. Là, vous voyez, il y a plein de couloirs qui sont délimités par les troncs. Il faut sauter de tronc en tronc pour ne pas toucher la flotte parce que votre tronc coule. Et si vous me pardonnez, ce système, c'est un étron. Merci. Mais votre personnage, lui, que vous soyez devant au premier plan ou derrière complètement en arrière-plan, il a exactement la même taille. Et du coup, c'est génial, parce que comme ça, quand tu sautes, tu sais jamais où tu es. Je rebondis, je sais même pas où je suis, derrière, devant, et bongi, bongi, bongi. Et allez, regarde-moi ça, et tu meurs, et tu meurs, et tu meurs, et tu meurs. Je peux choper le cancer, avec toutes ces tumeurs, hein. Ok, j'ai mérité. Dès que vous touchez l'eau et que vous commencez à rebondir, c'est le festival. Il n'y a plus moyen de savoir où c'est que vous allez atterrir. Et attendez, il y a mieux encore. Vous voyez les rochers là sur l'eau? Peut-être que vous croyez que c'est des zones sûres en fait. Mais non! On peut même pas rester une seconde dessus pour reprendre son souffle. Il y a sans arrêt des crocodiles qui reviennent dessus pour vous harceler en boucle. Putain, mais une seconde! Je te demande une seconde, jeu de merde! Laisse-moi juste, fous-moi la paix une seconde! C'est trop demandé! C'est comme si dans un jeu tu mettais la pause pour souffler pendant une seconde et qu'il y a un mec qui vient t'engueuler au bout d'une seconde et demie. Lance, lance, mine, lance. Et enfin on a le niveau de la mine. Le niveau de la mine, le niveau de la mine, l'inévitable cliché du niveau de la mine. Sérieux quoi, ce jeu il a été fait par Captain Cliché quoi, c'est pas... Ok. Ok. D'accord. Très bien, franchement j'ai même pas pu tester les boutons, je sais même... Ok, donc le bouton ça sert à ça donc. Bon, je... Ah, pourquoi j'ai fait ça? C'est pas vrai, quoi. Ah, parce qu'en plus, il faut gérer l'accélération aussi. Non, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Alors, ah, oh, bah, ah. Sérieux. Oh, bah. Oh, bah. Oh, bah. Ah, c'était haut. Allez, on recommence. Oh, bah. Non, j'ai même pas démarré, là. Putain de 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 oh bah oh bah oh bah je suis passé, j'étais passé là. Oh bah oh bah oh non t'arrêtes. Franchement, même en notant les raccourcis sur une feuille, ça suffirait pas tellement ça va vite. Limite il te faudrait un copilote à côté, franchement. Oh oh, accélère, reste dur. Oh bah oh. Bah, cette fois je vais y arriver, tu vas voir. Oh, deux fois oh, voilà, c'est ça, je suis passé, c'était comme ça. Oh bah, ouais, y'a un piège, y'a une arnaque quelque part, je vais me viander comme une merde. Ah, vite, couille poil, merde. Ah, ce jeu est insupportable, y'a pas moyen de... Ah,
Il arrive, kebab.